Ils sont synchronisés, ça coche. Ils ont une commande à leurs instruments.
C'est bien tourné, une énergie sur la scène. Est-ce que originality, vous comprenez cela, hein? Quelque chose d'original à amener à la scène. Metal. Songwriting, vos compositions. Est-ce que tu t'écris une bonne tune? Image et représentation. Est-ce que ton band a l'air du band, sa scène? Vous êtes là avec des pics, puis c'est corpse paint, mais vous sonnez comme Poison. Peut-être que ça marche pas si bien. La réaction de la foule et l'interaction avec la foule. Hey, dernièrement, comme critique, votre efficacité, sa scène. Alors, si vous avez des pauses, stone that get, puis c'est comme dead silence, tu sais, c'est pas très. Cool. Toujours keep the show rolling. Alors, je ferme ma gueule, on commence à sourire. On va commencer Miss, avec Lancaster, si vous voulez montrer. Québec, n'ayez pas peur. Approchez-vous un peu, ça va faire du bien pour tout le monde. Vous autres, tout le monde, mesdames et messieurs de Québec. Now you know my name, you're gonna know my war, my hell campaign. We'll be right back.
Yeah.
Yeah.
kick your chairs! All right! Hey, on fait ça vite! Bonne main d'applaudissement pour Meet the Mailman! Nova Spey! And Vortex! All right, well, that's the dernière. This next song is called The Kriegs Machine. We'll be right back.
This is okay. Yeah, bon, thrash and roll encore une fois pour Lancaster. On va procéder aux commentaires maintenant de nos juges. On commence avec qui, les gars? Est-ce que c'est Damon? Est-ce que c'est... Non! Et Nick, c'est ça? Yes! All right! Hey, Lancaster! Yes, good job! Come on, yes! Lancaster, je vous aime parce que vous êtes un beau diamant brut qui n'est pas trop poli, dans le sens qu'il y a un côté crasse que vous gardez qui est important. Ouais, c'est un beau mix, justement, un beau crossover. Je pense que sans que vous sonniez 100% comme un Red, il y a une direction un peu comme un Red, dans le sens que c'est sûr que le temps va être votre meilleur allié, vous allez toujours gagner des fans en fans. C'est un style que vous faites qui va rejoindre tout le monde, autant dans le punk que dans le métal. Vous avez une belle présence sur stage, puis tu sais, la virtuosité m'a amené. C'est cool, mais c'est pas une importance capitale. Vous maîtrisez vos instruments, vous jouez du bien, vous voyez, ça torche. Good job, vous avez fait un esti bon show. Yes! Hell yeah, Gasper! So wet! Salut Lancaster. Bonsoir. Je suis bien content d'être présent aujourd'hui ici. C'est un bon show, bonne présentation. Merci. Juste à remarquer, je pense que vous manquez un petit peu d'énergie au début. Vous avez un petit peu commencé endormi. Mais avec le temps, avec le plus de deuxième chanson, vous avez pris le... Vous l'avez pris. Donc c'est important de bien commencer avec l'énergie. Le début d'une présentation, c'est aussi important que le début d'une présentation. Le style de musique, excellent. J'aime le style de musique comme vous, qui donne le rythme, qui donne la facilité de bouger la tête. Bien sûr. Donc, merci beaucoup. Bonjour. Merci à toi. Bonsoir, Lancaster. Je pense que vous venez de mettre la barre à un niveau qui est assez élevé. Moi, je vais vous parler d'une couple d'affaires. Le choix de cette liste. J'ai aimé cette liste. Vous avez progressé tout le long dans le show avec ça. Vous avez fini avec l'avant-dernière tourne, là. Guitariste, quand tu t'as monté en début de tourne, en plein centre du stage, là, Rockstar, ça j'aime ça. Ça j'aime ça vraiment. Ça. Tu démontres que tu as le goût de péter la gueule à tout le monde à ce soir, c'est bien parfait comme ça. Mais ben aussi, quand t'es monté à la fin avec lui, je trouvais ça pas fait. Mais j'aurais peut-être aimé ça pour faire plus de grimaces un peu. T'en regardais ton chum, t'en regardais moins le monde un peu, j'aurais aimé ça pour. Ouais, c'est ça. Le drummer, je l'ai vu plus dans la dernière tune. Tu as communiqué un peu plus avec le monde. On te sentait bien efficace, les bass drums à la bas et tout. Mais là, on t'a vu sourire, on t'a vu faire des grimaces un peu. C'est ça, être d'un concours un peu. Un petit bémol, parler d'un nouvel album, pardon, d'un concours, pour annoncer une nouvelle tune, parler d'un nouvel album. Moi, j'ai un petit bémol là-dessus. J'ai trouvé que vous étiez aussi étiez bien préparé parce que vous avez changé tout l'enchaînement entre la deuxième et la troisième tour, j'ai bien aimé. Puis, ben, les gars, comme je vous ai dit, la barre est haute à ce soir. C'est vous autres qui avez ouvert. Félicitations, merci, les gars. Merci, les joueurs, merci, monsieur. Merci tout le monde. Allez, la place à Mickey Merlin. Salut, moi, c'est Daniel. Moi, dans le fond, ce que je dirais vous autres, c'est que vous avez une belle évolution. Ça me faisait
faisait penser à un mélange, mettons, Motorhead puis White Zombie, mettons. Selon les tunes, la dernière plus White Zombie, puis le reste plus Motorhead. Ce que j'aimais, c'est les solos sont courts, sont mélodiques, sont efficaces. Ça, c'est une très belle affaire. Le drummer, il fait pas tout le temps la même affaire, il se promène pas mal. Il joue des tomes. Il y a une affaire que j'ai trouvé intéressant, c'est dans une tune, ça coupe, là, il y a un petit passe de drum. Ça ajoute quelque chose que les bands ne font pas bien ça, tu sais, fait que c'est quelque chose qui est bon à exploiter. Un truc, vous faites penser un peu à Citizen Vicious à Montréal, ça ressemble pas mal à ça, vous faites rien très bien avec. Mais bon stock, comme je vous disais, je suis un peu d'accord avec tout ce que tout le monde a dit. Vous avez commencé un peu genre avec un manque de sûreté, puis vous avez parti ça en force. Moi, je te dirais, là, tu m'en fous au crowd, même, de m'en devenir à l'avant. Tu leur donnes ça, tu leur pètes la face, ils vont s'avancer tout seul. OK? Mais en gros, c'est super bon, là, je sais pas, puis c'est ça, on a hâte d'entendre ce qui va arriver dans le futur.